Bonjour les quatrièmes, comme convenu, je filme cette vidéo pour vous guider dans l'assimilation du vocabulaire et dans l'assimilation de la prononciation du vocabulaire. Donc vous avez sous vos yeux un des menus sur lesquels on va travailler au cours de ce chapitre. Donc ça c'est le menu de la leçon 2. Donc je vous invite à répéter les différents mots de vocabulaire après moi et attention à bien utiliser les différents termes de quantité. Alors, tout d'abord, voici les différents plats que vous pouvez commander dans un restaurant à partir de ce menu. A chicken Caesar salad. A Greek salad. Attention à bien faire un i long. A Greek salad. A chicken Caesar salad. A Greek salad. Pour tout ce qui est sandwich et hamburger, attention à spécifier si vous voulez votre sandwich au barbecue au porc ou au poulet, ce qui donne a pork barbecue sandwich. A pork barbecue sandwich. A chicken barbecue sandwich. A triple decker club. A triple decker club. A jumbo deluxe burger. A jumbo deluxe burger. A cheeseburger. A cheeseburger. Je fais bien un i long. Quand j'ai deux e comme ça fait un son i long. A cheeseburger. A turkey burger. Bon, tout ça, ce sont vos plats qu'il est possible de prendre au restaurant. Les accompagnements. Side orders and extras. Ok, donc les accompagnements. Comme accompagnement, vous avez les frites, donc chips, qu'on a vu en classe, chips, ou sinon French fries. Donc accompagnement, some chips. Un petit exemple. I will have a pork barbecue sandwich with some chips. Ou d'autres accompagnements, d'autres side orders. A basket of French fries. A basket of French fries. A basket of fried onion rings. A basket of fried onion rings. Mashed potatoes with gravy. Mashed potatoes with gravy. Ce qui donnerait some mashed potatoes with gravy. Some coleslaw. Some coleslaw. Pour ce qui est des desserts, attention à bien préciser les quantités. Donc, par exemple, apple pie, carrot cake. Apple pie, carrot cake, raspberry cheesecake. Attention à bien préciser si vous voulez une tranche de ce gâteau. Donc, a slice of, comme on a vu dans la leçon 1. C'est pour ça que dans la leçon 1, j'ai autant insisté sur les quantités. A slice of. Ou si vous avez encore plus faim, half of a, vraiment la moitié, half of a, ou un entier, a whole. Ce qui donne a slice of apple pie, half of an apple pie, a whole apple pie. A slice of carrot cake, half of a carrot cake, a whole carrot cake. A slice of raspberry cheesecake. Half of a raspberry cheesecake. A whole raspberry cheesecake. Donc bien attention aux quantités. En classe, vous oubliez trop souvent les quantités. A chocolate and walnut brownie. Pas brownie, non. Brownie. Ok? A chocolate and walnut brownie. A hot fudge sundae. A hot fudge sundae. Pour la glace, attention à préciser la quantité. One scoop of. One scoop of. Two scoops of. Or three scoops of. Le parfum. Vanilla, vanilla,
chocolate, strawberry. Vanilla, chocolate, strawberry. Ce qui peut donner one scoop of vanilla ice cream. Two scoops of chocolate ice cream. Two scoops of vanilla and chocolate ice cream. Voilà. Je me rends compte que j'avais oublié une partie, donc je refais une vidéo et j'assemblerai les deux vidéos ensemble. Donc, je viens de donner tous les desserts. Tout ce qui est milkshake rentre également dans des desserts. Donc, par exemple, a vanilla milkshake, a chocolate milkshake, a strawberry milkshake, a pineapple milkshake. Ok, donc vous avez les milkshakes en dessert. Attention à ne pas oublier aussi quelle boisson vous voulez. Donc tout ce qui est jus, orange juice, apple juice, cranberry juice. Attention à bien préciser la quantité, c'est-à-dire a glass of orange juice, a glass of apple juice, a glass of cranberry juice, ok? A glass of orange juice, a glass of apple juice, a glass of cranberry juice. Ensuite, vous avez des boissons chaudes, hot tea or coffee, a cup of hot tea, a cup of tea, a cup of coffee, ok? A cup of hot chocolate. Et vous avez tout ce qui est sodas, donc pour sodas, vous ne me dites pas juste a soda ou sodas, vous précisez. C'est-à-dire que sodas, c'est tout ce qui est boisson sucrée gazeuse. Par exemple, a glass of Coke, a glass of Fanta, a glass of Sprite. Donc les sodas sont à préciser. Voilà, à plus tard pour la suite.